Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Starwhite. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 17 dans le mode Ultimate Team. Et regardez cette saison en ligne, nous sommes en Division 10. Nous sommes à 9 points, on va jouer notre dernier match quoi qu'il arrive en Division 10. Eh bien écoutez, on va lancer directement le match avec notre équipe A. Subasic, Raghi, Jemerson, Meunier, Célibé, Cosiello, Fabinho, Bernardo, Silva, Botea, qui est Falcao et Germain. Allez, on espère qu'on va vite trouver un adversaire et pourquoi pas essayer de remporter ce match. Alors, ce qu'il me faudrait un petit peu pour améliorer cette équipe, ce serait un milieu gauche. Et donc, je compte sur ce match-là pour essayer de m'acheter un mec pas trop mauvais. Et j'espère qu'on va vite trouver un adversaire. Ok, on en a un. Marseille Azur. Oh, le Marseillais. Allez, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Qu'est-ce qui va nous sortir comme équipe? Costil, Sacco, Mathieu, Kurzawa, Lassana Diarra, Alessandrini, Thauvin, Biabiani, Gignac. Lui là-bas, je le connais pas. Ouais, donc ça va, c'est un Marseillais qui regarde quand même, tu vois. Avec 88 de collectif. Il a un petit peu boost, j'ai vu Gignac et son défenseur droit. Le dernier match de la saison. Et dernier match de la saison pour nous. Allez, est-ce qu'on va pouvoir essayer de partir avec la montée? À signaler que Fabinho va effectuer son premier match dans cette équipe, parce que l'ancien c'était Blaise Matuidi qui était là en prêt. La proposition de l'équipe locale. Et c'est parti. Alessandrini. Schéma classique. Kurzawa. Cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Thauvin. Au fil du match, on revient souvent à ce système. Un bon ballon d'attaque. Oh, la frappe! Et la frappe. Oui, la première frappe. Elle était bien tentée, mais ça ira directement dans les bras de Subasic. La bonne attaque. Bien joué là-dessus. Boiterk pour Djibril Sidibé. Et c'est les Monégasques maintenant qui vont essayer d'accélérer à nouveau du rythme là. Ouais, Sidibé tout seul pour Bernardo. Quelle remontée de Sidibé pour la frappe de Bernardo! Oh, qu'est-ce que c'est loupé cette frappe, Bernardo Silva. Qu'est-ce que tu nous as fait? Complètement manqué. Le plus important. En tout cas, déjà, on répond directement à son attaque. Jonathan Babiani. Oui, bien joué de la part de Jemerson. Faute de Jemerson, dommage. Bon. Si l'arbitre le dit, on va essayer de lui faire confiance un petit peu. Là, ça n'adira. Pour Jamat. Ouais, bonne interception. Germain. Falcao. Allez, là, cette attaque molégasque avec Fabinho. Oh, pour Radamel Falcao. Allez, dans l'espace. Oui, bien. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Meunier, bien joué. Le centre de Thomas Meunier, il n'y aura personne malheureusement. C'est le défenseur qui a pris le dessus. Gignac avec le ballon. Oh, c'est mal fait ça de la part de André-Pierre Gignac. Pourtant, il y avait peut-être une opportunité avec Gabiani. Cosiello. Oh, c'est perdu de la part de Vincent Cosiello. Jonathan Gabiani. Oula, attention avec Biabiani. Biabiani. Bien, action dangereuse. Attention à lui. La récupération de Jemerson pour Fabinho. Il y en a des monégasques dans cette équipe. Bernardo Silva. Bernardo. Ouais, c'est loupé. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. On s'est pris un petit pont là. Attention avec Gignac. Quel retour de Jemerson. Fabinho. Allez, pour son premier match, Fabinho, Cosiello là-bas, c'est bien. Cosiello, ah! Bon jaillissement sur cette Lassana Diarra. Oui. Bonne lecture du Ah, dommage pour Sidibé qui a eu du mal à relancer là-bas. Allez, Jamat. Où il y va? Où il y va, Jamat? Où il y va, Jamat? Face à Vincent Cosiello, c'est loupé. Ça sera un 6 mètres. Et le dégagement de Subasic. 20 minutes de jeu, une occasion partout. Mais la plus grosse, elle est quand même pour lui. Attention à cette perte de balle au milieu. Vu que la note n'était pas trop cadrée, du coup. On sait, Botea qui doit assurer les deux équipes. Belle couverture là-bas de Thomas Meunier. Fabinho. Bien joué. Ah, c'est bien donné ça. Germain, pas mal du tout. Germain là-bas avec Bernardo. De la ligne de touche. Il est un petit peu bloqué. Allez, on va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Meunier. Oh! C'était bien tenté. Gignac.
Ouais, Gignac qui perd un ballon très haut. Par André-Pierre Gignac. Germain. Meunier. Ah, ils sont présents, les rouges et blancs. Le centre de Meunier. La tête de Falcao. Oh, la goal line. C'est dangereux avec cette tête. Oh, la goal line. Oh, putain. Fabinho. Fabinho. Bien joué avec Botterac. Face à Mamadou Sakho, il est passé. La frappe de Botterac. Corner. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Bernardo. La tête de Fabinho. C'était cadré. Ça reviendra directement dans les bras de Benoît Costil. Biabiani. Biabiani. Ah, peut-être une bonne intervention de Thomas Meunier. Ouais, Fabinho, bien. Bien joué, ça. On est pas mal dans ce match pour le moment. La frappe de Bernardo. Ça sera une nouvelle fois contré, c'est dommage. Et le dégagement de Benoît Costil. Touche. Bernardo, Sidibé. Je sais pas ce qu'il fait là, Sidibé. Il est pas sur son côté. Sur cette passe en profondeur. Fabinho. Germain. Germain. Eh, dommage. Attention, parce que du coup, il manque quelqu'un là-bas à gauche. Oh, Gignac. 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 Attention, Raggi et Jemerson sont sur lui. Et oui, du coup, maintenant, il n'y a plus personne au centre. Quel retour de Botterac. Superbe tacle. Ce sera un corner. Il vaut mieux la sortir, cette balle. Tranquille. Laisse-la. Le ballon va être en touche. Ouais, non, arrête un peu. Ouais, but. Ah ouais, mais non. Ah, putain, Meunier. Il la chope deux fois et il la repère. Le but de Gignac. Vous êtes en train de laisser filer le titre. Les joueurs, ça. Ah, c'est pas de chance. Impératif s'ils veulent être sacrés. Ils ne méritent pas trop, je pense. Remobiliser vite. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition. Aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des courants. Et ça fait donc 15. Allez, on va essayer nous de vite réagir là-dessus. Il y a peut-être une situation intéressante là. Bien joué. Bernard. Oh, voilà. Bien joué Bernardo Silva. C'est bien. C'est bien ce qu'il a fait là. Le Monégasque, bonne frappe. Bien joué mon grand. C'est bien, sinon on aurait directement dans le droit chemin. Bien joué à toi. Comme ça, on revient à, directement sur son occasion. On avait dit qu'on allait réagir. Et ben voilà, c'est fait. Donc, à égalité, un but partout. Ça lui fait du bien. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Dommage pour Sidibé. Allez. Essayez de rester comme ça jusqu'à la mi-temps. Ça serait déjà pas mal. Bien joué, Botterac. Très bonne récupération là de la part de Rick Botterac. Falcao. Oh, le bon décalage de Radamel Falcao pour Valère Germain. La frappe, excusez-moi, c'était Bernardo Silva. Ça tape sur la barre après avoir après que le ballon était dévié. Oh, Sidibé. Oh, il a carrément troll, Djibril Sidibé. On lui fait le café sur Djabat. Sidibé qui est largement passé. La bonne parade de Benoît Costil, c'est peut-être pas terminé. La frappe d'Eric Botterac. Et la parade de Costil encore. Au moins, il y a du mouvement dans ce match. Peut-être pour la tête de Jamerson. Oh là 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 là. Qui signale un hors-jeu. Hors-jeu. Oh, dommage. Costil qui est obligé de se dégager très loin. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1 partout. Dommage pour nous. Et on domine pour le moment. On domine. Il faudra continuer comme ça en deuxième mi-temps. Et c'est obligé que ça finira par rentrer. C'est pas possible autrement. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut continuer. Il faut continuer comme ça et le deuxième but va rentrer, je pense. On s'est fait surprendre sur le premier but, mais on a eu directement la réduction du score par Bernardo Silva. Une superbe frappe, ça c'était bien joué de sa part. Du mouvement, au bord de la alors qu'il y a eu un changement, j'ai pas vu qui était rentré. Ça, je vais se dire, c'est reparti pour 45 minutes. Bien joué. 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non? Alors que c'est Waza qui est rentré à la place de Florian Thauvin. Botterac. Oui, ça circule bien. Oh Botterac. Oui, oh Botterac, ah, dommage. Justement par Waza qui vient de récupérer le ballon. Villard.
Alessandrini, il n'a plus énormément d'énergie, Alessandrini. Hein. Attention, mais il arrive quand même. Oh, le centre à ras de terre comme tout à l'heure. Bon, ressortez-moi ces ballons. Ouais, belle anticipation. Cette fois-ci, c'est bien dégagé. Ah, ça revient encore. Attention, ça peut aller très très vite là-dessus. Ça peut très bien faire un but. Ils sont en train de poser leur Villard. Patiemment. Cazava. Ils vont peut-être parvenir à trouver. Gignac, oh, c'est bien joué. Heureusement que c'était bien contré. Ouais, corner normalement. Attention les gars. Pas se le reprendre comme tout à l'heure. Jérémy Mathieu qui sera au corner pour le moment. Mathieu. Il est très énervé par le comportement. Ouais, on l'a, tranquille. Tranquille sur cette tête. Bonne intervention du gardien. On en reste sur ce score de parité. Souba avec Sidibé. La montée de Sidibé. Cosiello. Viré de Sidibé. Jouer Sidibé. Allez pour Falcao dans la profondeur. Ah, il a du mal. Bien battu, mais il va pas pouvoir la récupérer cette balle. La touche. Wilfried Zaha. Cazava. Villard. Oh putain, Meunier, t'étais censé l'avoir là. Villard, il va encore me refaire un centre à ras de terre. On est mal centré. Dommage. Hein. Ah bon, la perd pas. Oh, Botea, qu'est-ce que tu nous as fait là, gros? Ouais, heureusement qu'il y avait Souba. Allez, il va falloir vite relancer. Parce que là, depuis la deuxième mi-temps, on voit que. Falcao. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Avec Sidibé. Direct Sidibé. Les 30 derniers mètres. Falcao. Ah, il a du mal, Radamel. Pas mal, Alessandrini. Ballon, on a perdu. Cosiello. Récupéré de l'autre. Germain. Fabinho, là voilà notre frappe. Et on nous voit le parade de Costil. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part. Bernardo. Et la tête de Fabinho. Parade de Costil une nouvelle fois. Mathieu qui est obligé de dégager très très loin. Ballon bien. Meunier. Fabinho. Cosiello. Il a vu le départ de Radamel. Attention à ce coup franc. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, t'aurais peut-être pu laisser l'avantage là-dessus quand même. Botteac sur le coup franc. Oh putain. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Hoppa. Bien joué Sidibé. Le ballon qui va pas sortir. Il va revenir dans les pieds de Botteac qui va éliminer Babiani. Pour Sidibé. Sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Falcao. Oh, il a voulu la mettre là-bas. Oui, dégagement de. Kurzawa. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Bien joué cette intervention. Perdu par André-Pierre Gignac. Meunier. 20 minutes à jouer. Cosiello, c'est bien. Ah, il faut partir là du côté de Falcao là. En attendant une brèche dans cette défense. Cosiello, Germain. Oh là 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 là. Du gardien qui repousse le ballon. Falcao, la frappe. Contré encore. Contre ce ballon. C'est Dibé. La tête peut-être de Germain. Ça sera un corner. Bernardo. La tête de Germain. Oh. On domine, mais ça rentre pas. Et on sait qu'on a besoin de cette victoire pour aller chercher ce titre. Botteac pour Falcao. Oh, le bon décalage sur Bernardo. Bernardo, il a déjà marqué. Oh oui. Oh, on le méritait ce but. On le méritait ce but. Il est signé Eric Botteac. Le titre à son équipe. Bien décalage là de Falcao pour Bernardo Silva. La nouvelle parade de Costil. Mais ça revient dans les pieds de Botteac qui fait une magnifique reprise comme ça. Le but. Et pour le moment, on a le titre. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il faut dire qu'il était... mérité quand même. Et deux buts à un, donc. Ce but ont dominé et nouvelle récupération de Fabinho. Défensif hein, sur ce tacle. Falcao pour Botteac, justement le buteur. Oh, il a plus d'énergie Botteac. Peut-être une situation intéressante là. Cosiello. Germain, bien joué pour Bernardo. Contrôle, la frappe. Oh là là, c'est loupé. Une belle action.
totalement gâché, hélas. Ouais, le joueur est en colère après lui. Il sait qu'il s'est loupé, là. Ouais, Meunier. Ah, ouais, dommage. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Allez, attention. Oh, attention, parce que là, il y a des trous. Il y a des trous. Oh là là. La non. Ouais, c'est pour le gardien. C'était tout droit enfermé, là. Allez, Germain. Cosiello. Oh ah non, c'est mal donné, Cosiello. Ouais, public qui pousse là dans ces dernières minutes. Oui, Raghi. Ah, ça me passe bien pas. Joué avec Bernardo. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ce serait... Qu'est-ce qui t'est arrivé là, Bernardo? Attention, faut pas se déconcentrer. Même si on mène, le match est loin d'être fini. Et ce petit bout d'avance qui vaut de l'or, Pierre. Il leur permet tout simplement d'être mathématiquement champion. Voilà. Passe bien assurée. Bien joué ça. Allez, on s'observe. Bien joué, énorme, énorme. Fabinho qui fait un très bon match pour sa première. Et la frappe de Cosiello, le poteau. Oh, il attrape le montant. Oh là là, c'est pas possible. Et nouvelle encore une fois, Fabinho qui est bien présent, énorme. On a perdu Matuidi, mais on a récupéré Fabinho, hein, c'est pareil. Hein. C'est Dibé, Boteac, le buteur. Oh oui, oh oui. C'est Dibé. Ah, la frappe. Oh, elle est à côté, cette frappe de Vincent Cosiello. Mais on est encore devant. On est encore devant au tableau d'affichage. La bonne tête de Raji. Falcao. Bernardo. On est maintenant dans le temps additionnel. Oh, c'est perdu. Les 30 derniers mètres. Qu'est-ce que tu fais là, Raji? Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, il y a eu la montée de Raji. Là, je sais pas pourquoi il est monté comme ça. C'est une interception. Oh là 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 là, on s'est un petit peu mal compris, mais ça revient sur nous, ça va. Avec Boteac. Boteac. Cosiello, et c'est la victoire et le titre. Le titre est ici. Allez, l'attaque. Ça fait du bien, Bernardo Silva, élu homme du match. Voilà, champion. Et 2500 en poche, en crédit. C'est très bien. Donc on a largement dominé, on méritait largement ce deuxième but. Voilà, on a nos 12 points, c'est fait. Au dernier match, on l'a eu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Deux buts. Donc voilà, nous voici en division 9 avec les crédits qui s'élèvent à 4600. Donc on va aller de suite voir pour s'acheter un milieu gauche. Pour enlever Boteac. Oula, on a Ntep, ouais, il est cher Ntep. Oh, 4700, putain, il nous manque pas grand-chose, quoi. 4300 ici, pour Paul-Georges Ntep. Allez, on est à 20 secondes, pourquoi pas, pour essayer d'avoir Paul-Georges Ntep. Discount. Là, ça va être du lourd encore qui va arriver dans cette équipe A. Et voilà, c'est fait pour Paul-Georges Ntep. Il nous reste 350 crédits. On aura bien fait d'attendre pour acheter un grand joueur de la trempe de Ntep sur le côté gauche. Le voici, Paul-Georges. Et du coup, on va aller refaire un changement. L'arrivée de Paul-Georges Ntep. Oula, alors qu'il y aura des contrats à donner là. Ouh. Dans cette équipe, du moins, il y aura pas mal de contrats à donner. Le voici, Paul-Georges Ntep. Voilà. Maintenant que vous avez vu l'équipe A, je vais aller vous présenter l'équipe B. L'équipe B, pas mal non plus, hein, avec Subasic, Hilton, Bacha, Palmieri, Jallet, Biabiani, Sanson, Plasil, Boteac, Braithwaite et Modeste. Et du coup, on aura Ntep qui sera sur le banc. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et ce match de champion. Je vais vous dire à bientôt pour le début de la saison 9. À la prochaine, salut tout le monde!